Je suis Mila, cofondatrice d'Octopus.com, site internet de crowdfunding. Alors, le crowdfunding, c'est un moyen de financement qui se développe au fur et à mesure, enfin, actuellement en Europe, qui permet aux porteurs de projets de demander à la foule de financer le projet à partir de petites sommes. Sur le site internet d'Octopus, on va trouver des projets de toutes sortes, qu'ils soient humanitaires, sociaux, d'entreprises, de certains types d'entreprises, culturelles, artistiques. Octopus est un outil qu'on va pouvoir partager à travers Internet, par mail, sur Facebook, sur Twitter, sur les blogs, etc. Donc, on va fournir des outils pour permettre aux internautes de récolter des fonds et pas seulement, et de trouver une équipe pour les aider. Alors, il y a eu deux projets à Rennes qui ont été financés par le biais de la plateforme. Il y a le projet Démo contre les maux, qui est un projet sur les, enfin, qui se déroule dans les hôpitaux. C'est une femme qui va écrire des récits de vie pour les malades qui sont en soins palliatifs. Et il y a eu également le projet des Trois Fromages. Donc c'est des musiciens, c'est un groupe de musique qui font du rock'n'roll, qui a réussi à financer leur clip, un western pas comme les autres, par le biais de la plateforme. Alors, les Trois Fromages ont eu un projet de réalisation d'un clip pour leur nouvel album qui s'appelle Cheese Power. Et ont donc proposé un projet sur la plateforme d'Octopus en échange de contrepartie, pour le coup très originale, puisqu'ils ont proposé aux internautes de les inviter à venir manger dans un fast-food très connu, de leur offrir des bisous, des sonneries de portable, en échange de leur soutien financier. Et également, ils ont proposé aux internautes de venir participer au clip lors du tournage. Et donc, ils ont été financés très rapidement par leurs fans. Alors, la Novosphère nous aide dans la communication d'Octopus. C'est-à-dire qu'on va avoir une communication sur Internet par le biais du site de la Novosphère. Également sur les locaux, puisque actuellement, nous n'avons pas de locaux à Rennes. On travaille à la maison. Et c'est vrai que pour un projet comme le nôtre, avoir des locaux, c'est très important pour vraiment casser la vie privée, la vie d'entreprise, puisque c'est vrai qu'on passe notre journée sinon à travailler sans s'arrêter et sans faire de stop. Voilà.